Hop, et on relance avec le café. Salut YouTube. Non, je fais attention parce que je me fais aggro par des débutants depuis tout à l'heure. Au secours. La suite de Pokémon Sword. On est parti, bon. On a fait une petite interlude, tentative de... De Goupil Shiny, on est un petit peu up le taux, mais bon, voilà, non, bah, écoute, hein, on continuera ça plus tard, on va surtout s'exciter un petit peu sur le story mode, parce que on veut désespérément ce premier badge. Alors, j'ai déjà clean un petit... voilà, pardon, tous les gens qui avaient un, je l'ai jamais vu. Bref. Alors, le Charbi, je m'attarde pas dessus, parce que j'ai déjà capturé un nombre incroyable en faisant des raids. Doing, doing. Très bien. Et bah, tu fuis. Hop, salut. Alors, voyons voir. Une mine. Oh, un objet. D'accord. Ouais, d'accord, ouais. Et, ouh, un PNJ. Je suis une infirmière itinérante du centre Pokémon. La mine de galère n'est pas des problèmes de... Encore ? C'est un sketch ? Alors, YouTube. Il y a un fort accord effectivement par rapport à la dernière VOD où il y avait notre amie Sonia, la rouquine, qui nous attendait en haut, donc dans la zone en bas. Elle a déjà soigné le Pokémon. Pour vous, en fait, il s'est écoulé juste quelques minutes. D'accord. Très bien. Une mine. Alors les topiqueurs, les charbis, tout ça, j'ai déjà. Bien sûr. Sympa la zone. Ça fait très Luigi's Mansion quand même. Hein. Ok. Paf, prends ton aggro. Ça évite les 300 allers-retours au centre Pokémon, je confirme. Bon, c'est le montagnard. Elle jolie l'ouvrier. Un mot du dit. Ça, j'en ai un, faudrait peut-être que j'en occupe aussi. Doing, doing. Alors, mot du dit. Double pied. Pied-bouche. PF. Voir. D'accord. C'est bon. Cette tronche. Hein ? Alors, 20 infos, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais. C'est pas pire, je vous l'ai dit, c'est pas pire. D'accord. Très bien. Non mais c'est bien, d'accord, c'est ok. Appréciable quand la ville est gigantesque et que tu te perds. Oui. Non, c'est plutôt sympathique quoi le... Et mignonne. Shirley. Johnny et Shirley. Un charpentier. Un charpentier. Mmh. Pas bon. Oh, ça fait une nouvelle entrée Pokédex d'un Pokémon croisé, parce que celui-là, je l'avais pas encore vu. Un autre, d'accord. Ok. Ok, ok, donc j'ai apprenti, c'est les Pokémon ouvriers du bâtiment, quoi.
Pas fait gaffe à combien on en avait, non. A priori, c'est son dernier. Ah, petite nitro-charge, là. Ça aurait été sympa un combat en duo Shirley avec son camarade Dino. Belle easter egg. Merci. Ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, les mineurs, je les raquette les uns derrière les autres, c'est très bien. C'était donc Grimace. Le lanceur fait Grimace qui effraie l'ennemi et réduit beaucoup sa vitesse. C'est ok. Ah, chauve-sourire. Très bien. On est balèze, attention. Voyons voir, l'expert en BTP, exactement. Je serais curieux de voir l'évolution. Tout piqueur, pour la démolition peut-être. Pardon. Un rotot. Ah oui, un rototop, oui. On a vu un truc brille, bah, c'était Grimace. J'y ai cru aussi, mais en fait, je crois bien que c'était les petits dégagements de poussière quand je marche. Après, je peux retourner voir pour être sûr. Hop. L'évolution, on a une bétonnière. Ok. Très bien. Non, 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 bah, c'est des Pokémon de combat, c'est pas des Pokémon du BTP, donc on se détend. Alors, on va faire la cité Grimace. Écoute, je vois rien. Alors, hormis voilà, les déplacements de poussière quand je cours, plus tout ce qui brille dans le décor, peut-être y aurait-il eu une quelconque illusion d'optique. Oula, oula. Ah, je m'en capture rien. Cool. Hop, merci. Un charpentier. Après manger, bébé fait toujours un gros rototop. Oui, dans la couche. Ouais, je pense que ça doit être ça, Gardo, ouais. Tous les coups. Ouais. Je lui mettrai bien une tête, mais à mon avis, il en prendra qu'une. Lui, il va pas rentrer comme ça. Si tu survis une flamèche, je te capture. Nul. Tu as réussi à obtenir ton Copic Shiny. Non, on a bien augmenté le taux. Mais là, on a multiplié par 4 le taux de proba de le faire spawn. Mais disons qu'il n'est pas physiquement parmi nous. Mais j'y crois, hein. Cherchez les objets, v'là-t-il pas que je tombe sur un Razor, à la bonne heure. Bill. C'est Bill, Charlie, Rita et Johnny. Alors, Double Foot. Je couvre dans la caisse du fond un truc qui brille. Je pense que ça va, si c'est pour me relâcher un rappel, ça devrait bien se passer. Ah d'accord, ok. Il y en a, certains ici. C'est service minimum. Hein. Une perle grosse botte.
Le porteur ne subit plus les effets des pièges ou autres entraves posées sur le terrain. D'accord. Ah, c'est ma chance. Allez, par contre, si vous voyez, il y a des objets qui brillent là. Ah, j'en ai vu deux là. Et je tente une Super Bowl. Et là, il sort quand même. Je le fracasse. Voilà. C'est le de Sauron, ça. Oui, il y en a qui se promènent un peu partout. Mais. Faut pas laisser traîner ce genre de choses. Hein. Ça fait des ordres. Hein. Alors, il vient me donner un coup de main sur les chantiers lorsque le travail cesse à cause de la pluie. Il brandit ses poutres de colère. Ah, ici ça brille. Une dose d'huile. Restaurant un petit pépé d'une capacité sélectionnée. Très bien. Et j'en ai vu là-bas aussi. Et un rappel. Chauve-sourire, est-ce que j'en ai capturé? Je sais plus. Mais. Je ne sais plus si j'en ai capturé des chauves-souris, donc on va s'en inquiéter direct. Niveau 14. Petite flamèche. Il y avait bien un objet du coup vers la CT, mais bordel, on y est retourné deux fois, j'ai rien vu. Mais. Oh. La shiny. Pas du tout. Allez, défonce-le. Je le capture pas, encore une fois, j'en ai chopé beaucoup dans les raids. Bien plus que nécessaire en tout cas. À côté, ils sont encore en train de démonter toutes les portes. Au secours. Alors. Ah, oui. Bien vu. Un sac de poussière étoile. Bien vu, bien vu. Je n'avais point remarqué. Sympa. Et oui, tu avais raison, Gardo, finalement. Tu avais bel et bien raison. Je n'avais point remarqué. En tout cas, tu as l'œil de lynx, hein. Moi je t'avoue que aveugle maintenant. Ah, petit boule. De super potions, legit. Tiens. Et toi? Toi là, avec l'étoile vœu. C'est la fin de l'aventure pour toi. Fais lui tour, tu vas passer un mauvais moment. Prenons des précautions. Je vais manger à toutes, ça marche, Kuntach, à toutes. Bon appétit. Waouh. Oui. Quelle vaste blague. Le maître, c'est la bagatelle. Personne n'est plus important dans la ligue Pokémon. Son président, c'est bien connu. Moi, je suis recommandé par le président, justement. Donc, je vaux mieux que toi à pied. Oh, caraclure. Toi, je vais apprendre à t'adorer, toi. Trévis, d'accord.
Un Nucleos. Très bien. Il y a 3 Pokémon à m'envoyer. Et bah c'est parfait. Au revoir. Mmh. Bon, à la suite. Scrutez-la. Non. Non, mais il est sérieux. Vraiment. Alors lui, il est imbuvable. Ah ouais, non, mais je m'en rends compte. Hein. On a échangé deux dialogues avec lui. Enfin, deux séquences de dialogue. Au secours. Un bibichu. Mais vraiment. Et un peu les prétentions de ta grande gueule, quoi. À un moment donné, fais quelque chose. Quoique, quand même, si on se fie par rapport à Nabil, le challenge qu'il nous proposait jusque-là en tant que adversaire, tomber sur lui, là, c'est un cran au-dessus. Hein. Merci pour les 2000 balles. J'avoue, tu te défends. Et là, je trouve une étoile bleue. Ah non. Un objet caché maintenant. Là non plus, là non plus. Ok. Donc a priori, il est sorti de la mine. On est là-haut, d'accord. On est toujours dans la mine. Non, on en sort. Salut. Greensbury est à 2 pas. Waouh. Waouh. Ok, c'est très bien. Des baies, vite. Secours-nous les baies. Oui. Non. Oui. Oui. Qu'en dites-vous? Très bien. C'est bon. Et Pikachu ? Mais ! Mais ! C'est un Pikachu à côté de lui là ! Bon, je m'en fous là du gamin. Le Poké enfant veut se battre. C'est alors, le Poké enfant voit un Pikachu. Comment ça, y a un Pikachu à côté ? Attends. J'arrive ! Pef ! Encore une fois, c'est le seul Pokémon qui est vraiment doublé. Léviator. Arrête, on dirait ma fille. Hop là. Bonjour. Alors, si je capture pas ce Pikachu, ma fille va m'en vouloir. Niveau 16, c'est d'accord. Je pense que je peux te choper à la Super Bowl sans te taper dessus. Ils ont tout mis dans le doublage de Pikachu, je te jure. À la place de Miaou, tiens. Hop. Tirlibi, pat pat pat. Bon, après, vous allez me dire, oui, c'est pas Wither, c'est déjà un flux du dog dans Pokémon électrique, ça va, t'as ce qu'il faut, quoi. Okay.
Early peep, bon, quasiment en early de la game, hein, Pikachu. On se rappelle, hein, tous ceux qui ont tryhard la forêt de Jade en early des vieux jeux, hein, pour essayer de choper un Pikachu, justement. Non. Je l'envoie dans la boîte. Très bien. Mais... Bonjour. Non, des bugants. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce microbe là? Quoi? Comment ça, super efficace? Mais il est... Mais il est quel type? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, déjà que celui d'Alola, il était quand même pas franchement génial. Enfin, le Miaouz d'Alola, ça pouvait aller, mais alors le Persian d'Alola, c'était une catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que ce Miaouz du Chétan? Mais what? C'est bien, t'as ton pied. J'ai hésité à l'exploser, hein. Je me suis dit, faut peut-être que j'abrège les souffrances de cette bête. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette version de Miaouz, quoi? Au secours. Non. Il y a des types acier. D'accord. Au moins, la puissance des attaques directes du Pokémon. Très bien. Il est coquin. D'accord, donc le Miaouz de Galar est de type acier. C'est d'accord. Mais alors le Miaouz avec le regard sous LSD avec des cornes. Mais comment tu te fais aggro? Mais t'as vu combien il te court dessus? Les faibles boules. Une Pokéball un peu spéciale qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon les plus faibles. Ah, mais. Au secours. Pff, d'accord, ok, elle est morte. Bonjour. Un pitrouille. Allez, à la croque, enjoy, ça marche pas le taf. De toute façon, moi, je pense que je vais peut-être me faire un petit truc là vite fait aussi. Là. Du fin, moi. Quand même. Ok. Est-ce que tu encaisses un coup de boule? Dis-moi que oui. Pourquoi ça l'a pas affecté? Ah. Ça, par contre, ça l'a défoncé. D'accord. Très bien. Beaucoup de plaisir. Donc ça sent le Pokémon Spectre. Des doses de poudre énergie. Une poudre médicinale très amère qui restaure. Ah la vache, d'accord. 60 HP. Ah mais il y a des Pokéballs partout, il y a du stuff partout. Il y a un spot de pêche partout. Très bien. Un bec pointu. Très bien. Hop, direct. Ah mais. Merci pour cette potion Max. Merci pour la feuille d'herbe blanche. Euh...
Je te donne un bec pointu. Ok. Conseil au dresseur. Physique est spécial. Oui, mais d'accord. Non mais... Hop, pêche. Ce n'est pas une plante. Spectre la pitrouille. Ah oui, bah voilà. Et spectre plante. C'est un type pas banal. Hein, pas les tortues. C'est le tortue Bubblehead. Bouing, bouing. Non, laisse tomber. C'est de voir s'il n'y a pas une espèce que j'ai pas encore dans ce spot. Hein. J'ai fait remonter la canne encore plus vite que d'habitude. Hmm. Oh, c'est pour avoir que des tortues, au secours. Surtout, je le trouve pas spécialement attirant ce Pokémon, quoi. Après, on va avoir ses évolutions, mais là, sa forme de base, ça fait un peu grincer des dents, un peu comme mon café, là. Ans. C'est faux. Cinquante ans. Bien sûr. Appelle Gérald. Ouais, ouais, c'est ça. Ça se trouve, c'est un sorceleur lui aussi, là. Il vieillit pas. Allez, Lupio. Non, c'est bon. Quoique j'aurais pu, mais bon. On a affaire à un vampire supérieur. Ouais, là, clairement, on a affaire à quelque chose de pas très Charlie, là. 1440 balles, merci, au revoir. Où t'as pas que ça peut en évoluer quoi. Hein, Miaous. Ah chet. Au revoir. What the fuck. Alors attends, là c'est la zone où j'étais. Je reviens au début. Je t'ai tapé toi? Non, pas du tout. J'arrive. Toi aussi t'as 50 ans? D'accord. Non, c'est bon, apparemment, lui, il le dit bien. Avec ses petites Pokéballs rose et jaune. C'est mignon. Un Miaouss. Oh, mais la gueule des Miaouss, quoi. Oh, j'ai peur pour le persian. Hein. Oh, quel enfer. Imagine-toi cette horreur dynamaxée. Superbe. Génial. Parce qu'il est vraiment horrible. Hein. En vrai, il est trop classe, mais où ce monstre. Mais que dalle, on dirait le cousin machin de la famille Adams. Il manque rien pour savoir quoi faire. Fais-moi flamber cette noix. À défaut de me la couper, celle-ci, elle est droit devant moi. Oh, Papillusion. Ah bah, Lyon. Eh ben, je vois qu'on rigole zéro ici, là. Ce sera insuffisant. Ah, par contre, joli Totpex. Eh ben non, c'est raté. Merci pour le pognon de ta récolte. Au revoir. Non mais le Miaouss du chétan là reste touté non. Ah non.
Toujours ? Non mais, elle est là, elle est là. Non ! Après tout, il n'y avait pas d'obligation, bah dis si ça te dit. Merci. C'est littéralement ça, hein. Un petit enfant sauvage veut se battre. C'est littéralement ça. Hein. Un crémi. C'est ça un crémi. J'aurais pas entendu parler de ces trucs là. D'accord. C'est donc ça un crémi. Ok. Alors, quand on fait des recettes sur le camping, ils disent approuvé par crémi. Je savais pas ce que c'était. Et bah voilà, on le sait maintenant. J'ai des objets spécifiques crémis en plus. Oh, très bien, d'accord. Alors non, les topiqueurs... Oh là. Ah. Une dose de poudre argentée. La poudre argentée brillante qui augmente la puissance et capacité de type insecte. C'est quoi? Ah, c'est mon chien. Ah, c'est mon chien, c'est mon chat. Au secours. Non. Oh, c'est aggro de l'enfer quoi. Ça pour récupérer un objet, ça se trouve ça va être un truc complètement claqué. Et je vois que l'overlay se met encore pas à jour, au secours. C'est mieux. Merci, au revoir. Qu'est-ce que ce petit gars, télécharge dans les gibbles, t'as eu à sortir passer. Ouais, je m'arrête sur ça, sinon je suis sur la rediff pour fou. Ça marche, chère cause. Bonne journée à toi, bonne app, et puis à une prochaine. Alors, avec le Tom Sawyer, il est un challenger. Oui. Tout à fait. Alors, là, c'est pas bien une plante. Ça tombe bien, j'ai un Pokémon feu. Salut à Tegan, à Tegan peut-être. Excuse-moi si j'écorche. Hein. J'ai bien envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Ah, mais bien sûr. Ah, bah voilà. C'est parti. On va aller causer de plus près à Tom Sawyer. Hein. Alors. Ah, il y a un objet ici. Un bouquet d'armes rappel, encore. Ces objets complètement ouf, quoi. Dynavolt, Oh, d'accord. Oh, la vache. Oh, l'aggro tous les coins de rue. Oh, quel enfer. Aïe, ya. Ah, oui. Ah, on est tombé avec mon fils quand on se promenait ici. On est tombé sur son évolution dans la zone... La zone sauvage là, avant le... La zone où on était juste avant là. En se promenant, bah derrière le... Comment il s'appelle le... Le Stylix. Ok. Non c'est bon, la vibule on garde.
Bon bah ça va. C'est vrai que j'ai voulu avoir mon Léviator en early, c'est chose faite, mais mine de rien, pour l'instant ça va être surtout les Pokémon feu qui vont marcher. Il y a des objets sur une des pierres, on l'a vu briller. Ah ! Je suis encore passé devant sans le voir, c'est fort possible. Alors attends, parce que là j'ai vu qu'il y avait une Pokéball. Ah non, les miaux du chétan là, cassez-vous. Darnuée, d'accord. Sur une des pierres. Oh là là. D'accord. Oh, c'est aggro quoi. Quel enfer. Ah, il te fonce dans l'art direct. Hein. Moi, c'est des coups de boule, oui. Ouais. Salut Passé 155 et bonne année, merci beaucoup, bonne année et meilleurs vœux également pour toi. Et bien le bonjour au passage, bienvenue. Alors, sur une des pierres. Ah. Ah, le môme évolue là, oui d'accord, oui c'est un combat. Ah oui, je le vois. Un antipara. D'accord. Il n'y aurait pas un objet derrière l'arbre là. Oh, les miaous là, au secours. Point. Oh, mais putain, mais c'est miaous de l'enfer quoi. Viens là, s'il te plaît. Je me débarrasse de toi et on y va quoi. Quel enfer. Aïe 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 aïe. Hein? Ah oui, donc Evoli Pikachu sont les seuls qui sont réellement doublés. J'imagine par rapport aux deux versions du jeu précédentes. Et encore, c'est le doublage anglais. Hein. Ah, le Miaouss niveau 30. Et encore, c'est le Miaouss de Kanto, donc bon. Oui, je me tiens. Au revoir. Ah, ça devient compliqué à gérer votre histoire. Oh, il est là, lui. Oh là là, lequel... Oh, je suis pas là, tu m'as pas vu. C'est faux. J'avoue que le stade est classe. Non mais laissez-moi tranquille. Voilà, laissez-moi tranquille. Ah, celui-là fait ceci, fait cela. Et oh, moi la paix. T'as relancé une game ou t'as commencé au vu du level de tes Pokémon? J'ai commencé il y a pas longtemps. J'ai quoi, je dois... De toute façon, on va le savoir à la sauvegarde. Je dois avoir entre 20 et 25 heures de jeu, peut-être. D'ailleurs, ce serait bien d'en faire une petite, là. 23h. 23h de jeu. 23h de jeu, mais... Coucou. Au revoir. Ouais, donc, au revoir. Non, mais au revoir, au revoir, au revoir. Hop, salut. C'est un délire, cette zone, là. Genre, le pont est infranchissable pour le moment. D'accord, ah la team y est là. D'accord, ah donc c'est des gros méchants de, la, de cet épisode quoi. La team y est, c'est les vilains pas beaux, affreux. C'est les affreux jojo du jeu quoi. Ah oui. Une pierre stase, objet à tenir, une pierre. Empêchant l'évolution, d'accord. C'était dasé. Centrifugifle. Ah oui, ça on en avait déjà fait les frais. Le lanceur pivote pour prendre de l'élan et infliger des dégâts. Oui, on en avait déjà fait des fois de cette attaque. Je sais plus sur quel Pokémon, enfin contre quel Pokémon. Mais j'ai souvenir que Centrifugifle. Bon, Lapiro, on en a déjà vu quelques-unes de près.
Et on va le faire en endgame, les shiny, enfin chacun fait comme il veut. Ouais, j'ai profité de l'opportunité. Là, à un moment donné, je suis tombé sur un spot de pêche. On a passé quelques minutes, au bout de la 40e rencontre à peu près. Pof, Magic Arp Shiny, merci beaucoup. Merci Inopan, pardon Inopan pour le follow, bienvenue. Oh, rappel max quoi, mais c'est tellement gratuit. Ouais, puis j'ai tenté quelques rerolls sur du coup Pix, mais bon, sans succès. D'accord, ah oui, donc on a vraiment pas le choix quoi. Oh là là. Ah, ouais, je suis là, et avance le hirsch là. Bonjour. Très bien. Oui, je t'ai vu. Ah, vache quoi. Je viens après des jours de ferme, j'ai tous les Gigamax Shiny en 6 IV. Oh, ça prend, moi je te boucle les IV. Autant que les Shiny, je peux y accorder une certaine attention. Que chercher de l'IV, je m'en fous un peu quoi. Dans le sens où derrière jouer en classé, c'est pas vraiment ce qui va me motiver, vraiment. Une pierre plante, oui, bien sûr. Si un jour je fais du classé, peut-être, mais vu que c'est pas mon objectif. J'avoue, Joseph. Eh bien, j'aime ça, ça roule. Non, j'ai besoin de ton avis. Quoi, t'as changé de chaussures, t'as changé de barrette pour tes cheveux? Au secours. T'évoques quoi ce géolite? C'est un Pokémon géant, j'en suis sûr. Et nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient beau avoir toute l'imagination du monde, je doute fortement qu'ils aient dessiné ça sans avoir vu de Pokémon Dynamax. Très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel de Galar et les Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ce tourbillon était c'était la nuit noire dont je te parlais. Mais qu'est-ce que c'était au juste? Quel était le rapport avec le phénomène Dynamax? Pardon. Grand-mère m'a refilé le bébé, je dois me continuer toutes les recherches. Tu pouvais dire non, moi. D'accord. Toujours plus quoi. Oui. Je devrais déjà y être. Ah d'accord, je vais derrière, ça fait marrer le gamin. D'accord. Oula. C'est marrant. Bonjour. Quoi? C'est quoi? Il paraît qu'il y a un trésor enfoui à Greenbury. Observe les stèles. Mon premier est la plante, mon deuxième est plus faible qu'elle, mon troisième finit la série. D'accord. Ça, je pense que ça va être une petite énigme à résoudre après, non? Allez, Golarine. T'as vu les DLC qui vont sortir? Oui, j'ai vu passer l'info, ouais. D'accord. Allez, non mais... Allons-y. Ah. Mister Pokéboule. Une copain-boule. Une Pokéboule un peu spéciale qui permet de rendre rapidement amico des Pokémon sauvages attrapés avec celle-ci. D'accord. J'arrive pas à attraper Mewtwo de Galar, ça me chagrine. Mais... Pierre Géron récupère un autre.
Ah, oh, c'est Meowth de Kanto. D'accord, je pensais qu'il aurait filé un Alola, mais non, c'est un Kanto. Charlie envoyé du chat. Parfait. Ok. Bon bah. Même pas un Alola, c'est un Kanto. D'accord. Salut! Ouais. Très bien. Oui, oui. Allez, enfilons l'uniforme. Bah, sur JVC, t'as des cas de mystère à récup avec des codes avant le 20. Ah bon? Là, j'ai déjà récupéré un Meowth là, pour l'instant. Un Meowth de Kanto, justement. Un Meowth Gigamax. Donc c'est pas tout, il y a encore des choses. Avant le 20, ah on est déjà à 13, au secours. Et ben voilà, bien belle arène. D'accord. Il va falloir courir après. D'accord. Ok, bon, ça va. D'accord. D'accord, les liens chez les effraies. Sympa. Ah ! C'est bon. 20 sur 20, pif paf pouf. D'accord. Ah ! Ok. Ah oui, d'accord, c'est pas tout quoi. On se contente pas simplement de faire un parcours d'obstacles. On a aussi un peu de baston au milieu. Très bien. Un petit tournée coton. C'est quoi ta version n'est plus bouclier, c'est épée. T'as plein de Pokéball à récupérer. Ah d'accord. Toujours bon à prendre. Hein. C'est du gratos, hein, donc on le prend forcément. Hein. Ok. On t'entend pas parler. Comment ça? Comment ça on m'entend pas parler? Hein? Y'a des personnes qui m'entendent mal? Oh non 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 non, y'a le WAF. Voilà, passe à gauche. J'aurais pu passer à droite, remarque, y'avait le dresseur. Non, il est mute. Ici, je l'entends bien. Mais je suis pas mute. Ah non, je peux vous assurer. Non, moi, je suis loin d'être mute. Hein. D'accord. J'entends le jeu nickel, mais pas le streamer. Bah, c'est que ce bail. Non, mais il y a vraiment des gens qui m'entendent pas ou... Allô? Non mais qu'est-ce que c'est que ce sketch? La table c'est bon, ça c'est bon. Non, je te mets un réglage qui sont dans le verre. Bon, je sais pas où est le problème. Ah non, tout fonctionne bien. On t'entend très bien. Si on t'entend. Bon bah si alors, bah c'est bon.
On t'entend nous. Ouais, c'est bizarre. Bah ils sont à fond. Bah je suis déjà à donf. Si, enfin non, je peux aller plus haut, faut que je mette le compresseur à fond, mais là ça va pas vous plaire. Hein. Allô. Là, si je commence à mettre le compresseur à donf, là vous allez pas kiffer. Hein. Alors, il y a deux fiens. Ah d'accord, ils font des tours. Ok. C'est parti, c'est la débalade. On va aller par là-haut. Chercher ces deux-là. Non, non, mais... oui, voilà. Mais putain... oui, merci le chien. Merci mon chien. Alors vous allez aller là. Voilà. Voilà, restez là, c'est pas grave, on va raccrocher les wagons avec l'autre groupe. Ah non, pas le compresseur. Ah bah ça, je savais que vous n'aviez pas kiffé. Hein. Ah si je commence à faire le débile avec le compresseur, vous n'avez pas kiffé, oui. Ah, cette dispersion de l'infini de l'au-delà. Non, non, non. C'est cocasse. Attendez, là, mais y'a les Michelinettes là-bas, là, non, moi je laisse pas passer comme ça. Hein. Facile, simple. Jour. Tu n'auras pas l'occasion de l'affronter. Tu veux parier? Un jump right, ça roule. Tiens, jump right, puisque tu viens d'arriver, est-ce que tu m'entends bien? L'autre, elle s'est fait un bang de la taille de la tour Eiffel ou quoi? Vous avez vu sa tête? Au secours. Hop. Is ok. Hysterbe. Oh, c'est bon, on continue. Oui, je t'entends bien. D'accord, ok. Parce qu'on avait une personne tout à l'heure qui avait l'air de bien entendre le jeu, mais qui m'entendait pas moi, en fait. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Et moi, tu peux rejoindre le champion. Ah, mais t'inquiète, hein, je pensais pas te demander ton avis, en fait. Hein, les fiens. Bon, je pense qu'on devrait bien rigoler en arrivant devant le premier champion. Starter level 34 de feu versus premier champion de la première arène. Ouais, ils ok. Hein. Mission accomplished. Ish. Bonjour. Oh, le frangin, je te sens taquin là. Tu vas te détendre un peu là. Et toi, Tom Sawyer? Bon, on est à la première étape du défi, les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je dois faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, tu as accompli cette mission, machin milieu, j'arrive bien longtemps, d'accord? Je comprends. Oui. Je vais devoir me servir de la puissance du Dynamax. Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. C'est drôle parce que c'est le champion de l'arène plante, donc c'est couper l'herbe sous le pied. Secours. Donc ça va use du Dynamax. Très bien. Mmh.
Boing boing. Quand ils se trouvent à certains endroits de galère, les Pokémon peuvent devenir gigantesques. Il s'agit du phénomène appelé Dynamax. Cette transformation devient possible lorsque le poney Dynamax se met à briller. Ok. Le Dynamax peut être activé pendant 3 tours. Au cours de ces laps de temps, le Pokémon sous l'influence du Dynamax peut utiliser les puissantes capacités. Celles-ci provoquent des effets supplémentaires qui varient selon leur type. Pensez à faire appel au Dynamax au moment opportun. Déjà machin, là tu vas me l'envoyer en purée. N'empêche, ça va, première arène niveau 19, d'accord. Salut Alcasnack, ça roule. Changer de Pokémon, non. Il faut la régule de 1, j'ai pas eu mon dernier niveau. C'est mignon. C'est ton dernier. C'est bête. Ah. Il va quand même avoir le temps de le faire. Oh la grosse bouboule. Ah, tu brûles? Ha! Chat! Normal au max. Oups! C'est d'accord. Puisque c'est comme ça, c'est lui qui a imposé les règles du jeu. Petit café. Final Flash. Voilà, ça dégage. C'est quoi cette allure de kéké de ton perso? Ouais, j'avoue, il a une allure un peu particulière. Hein. On verra bien son évolution. Ah non, de mon perso, tu veux dire, pas mon Pokémon, mon perso. Oh, on s'est amusé, on l'a redesigné. Ok. Et un jour, ce champion, il le remplace ou pas? Parce que bon, apparemment, il passe son temps à se prendre des peignées, lui. Hein. Merci. Ah, d'accord, mais ça va faire un truc complet après. Ah, ils sont beaux les badges. Il y a maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 25. Ok. Donc, les Pokémon que j'avais en early en descendant de la gare de Brunswick, bah, je peux pas les capturer parce qu'ils sont niveau 26 pour la plupart. Beaucoup de plaisir. Une petite CD pour te féliciter. Feuille magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Le lanceur disperse d'étranges feuilles qui poursuivent l'ennemi, n'échoue jamais. D'accord. Normalement, avec le dégagement de flamme du Pyromax sur le sol, ton adversaire à toi aurait dû être totalement carbonisé. Un peu dans le même esprit de l'attaque normale au max qui m'avait balancé juste avant, où normalement on aurait dû se prendre l'arène sur la courge. En cadeau de la maison, l'uniforme de Percy. Ah, c'est la même question, mais à ta taille. D'accord. Ça, je le porterai jamais, hein, spoiler, hein, mais Bah, d'où tu sors, toi? T'étais pas de l'autre côté de la porte tout à l'heure? D'accord. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skiford et défier Donna. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages. Après tout, tu as Badge Plante, maintenant tu vas donc prouver que tu maîtrises des bases. Tu devrais y trouver des Pokémon de plus haut niveau que les tiens pour renforcer ton équipe. Mais attention, ça ne va pas être facile de les attraper. Hein, ça va. Ah oui, d'accord, il me répète des... Non. Shut the fuck up. Ah, boutique d'uniforme. Oui. Ah oui, mais non, mais c'est les mêmes, oui, qu'on avait déjà vu, is okay. Ah, j'adore celui acier. Le acier, juste, voilà, c'est trop...
Oui, ce sera tout. Au revoir. Mais je vous reconnais. Oui. Vous avez désormais accès à plus de produits dans nos établissements. Bienvenue à la boutique Pokémon, que désirez-vous? D'accord, alors le fait en plus de ça de progresser dans les arènes, t'unlock du stuff dans les shops. D'accord. Ah oui, on a les super boules. Trop bien. Rappel anti-para, d'accord. D'accord. Eh ben très bien. On va se refaire un petit plein vite fait, mignon. Hop, on monte à 30 ici. On va s'en mettre une petite trentaine dans les poches là aussi. Voilà. Ah mais j'en avais déjà 4. Nous t'offrons 3 honor balls en cadeau. Trop d'honneur. Non c'est bon merci. Ah si attends, j'ai peut-être des trucs à te revendre toi. Attends, on va voir. Oui voilà. Pousseur d'étoile x2, cadeau. Morceau d'étoile, c'est cadeau aussi. Ok. D'accord, mais toujours plus quoi. Maintenant, la corde de sortie, ce n'est plus un objet collectable avec un certain nombre de stacks dans ton inventaire. C'est un objet à usage illimité. Dans une partie à part de ton inventaire. D'accord. Très bien. Is ok. Non. Quel enfer. Mais reste là. Reste là. Voilà. Bon. Mais écoute YouTube. Eh, on y aura mis le temps, mais on y est arrivé. Hein. La première arène, premier badge. Première grosse victoire qui pèse dans le game, incroyable. Donc comme d'habitude, on te rappelle que t'as le champ commentaire dispo sous la VOD, n'hésite pas à commenter la performance comme d'habitude. On te fait des gros bisous et on te dit à très bientôt pour la suite. Bisous, tchou.